Dans les heures, par contre, j'y retournerai bien en easy pour une simple raison. Ça serait me trouver un pigmen et le tuer. Si on pouvait trouver un pigmen isolé. Pourquoi un pigmen? Tout simplement parce que pour l'immunité au feu. Simplement, ça serait énorme. Oh, je vous ai pas montré un truc. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Waouh, c'est quoi ce truc là-bas? Je vais aller voir ce que c'est que. Plus de lag, s'il te plaît. Plus de lag. J'allais voir ce qu'est le truc là-bas. C'est l'heure d'être du pétrole plutôt. Bah, du pétrole, ça serait intéressant. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut dans notre fameux combustion. Comment? Combustion moteur là. Oula! Eh ben, après une journée de boulot, le PC il a du mal. Hein. J'ai l'impression. Pourtant, j'ai un PC de. Waouh quoi! Alors, what is that? Mets-moi du. Ah ouais, bah, j'ai ce qu'il faut dans le numéro 1. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu veux pas. Si. Oil bucket, c'est de l'huile. Ok. Dynamo combustion engine, ok, 3 mégajoules. Ok, bah, éventuellement aller se remplir un tank de ça. 3 mégajoules, ça peut être sympa ça. Ouais, bon, ben je retiens. Non, bon, on pourrait exploiter ça. Mais bon. Pour le moment, ma ressource principale, j'aurais envie que ce soit de la lave. On en a en quantité infinie dans le nether. Suffit juste de déplacer la pompe. Et encore, j'en consomme pas encore énormément de. Quand on aura le Tesseract, hein, quand. Là, ce sera. Ouais, et je me suis pas mal éloigné de la base. Il n'y a pas de. Comment? J'ai pas de World Launcher là-bas. Gros, quoi que remarque, c'est au spawn. Il doit y avoir une partie qui est chargée. Non, bah pas d'Enderman sur ce coup-là. Par contre, des gros lags. Comme c'est pas permis. Bon bah tant pis. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va se faire un filler pour faire notre tour à mob plus vite. On va la faire dans l'océan et de toute façon cette tour à mob là plus tard sera éclairée. Et deviendra possiblement notre prochaine base. C'est pas impossible. Ouais, c'est parti dedans. Par contre, quand j'ai. Ouais, quand j'ai un Votre Retwix. Hop. Enfin, Votre Retwix, c'est pas un Votre Retwix, c'est Ogonouf item. Ah oui, ok, oui, ça c'est vide. Ah d'accord, c'est pour ça que ça. Ouais. Bah on va aller remplir ça. On va aller le remplir rapidement et on va se faire un filler et aller se faire une petite tour à mob en plein océan. Histoire d'avoir des Undermen. Et puis bah dans le Nether. Alors dans le Nether par contre. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. Alors dans le Nether par contre je reste toujours en pissou là. Je suis désolé, je suis pas encore équipé pour réellement y aller. Vous voyez d'ailleurs que même comme ça je prends cher. Et on va se mettre en poulet. Pourquoi en poulet?
Vous allez voir. J'ai réagi en me disant, merde, si je peux me transformer en poulet, il y a un gros avantage que je peux avoir. Déjà, je fais qu'un bloc de hauteur. Ça, c'est pas mal. Et surtout, voilà. Pas de chute. Je tombe. Je tombe, mais doucement, quoi. Donc ça, c'est absolument génial. Et ça me permet de me rendre ici beaucoup plus vite. Puis là, bon, bah, j'ai qu'à me transformer en humain. J'ai un peu dessus là. Et puis là, ben, le saut, et puis je remplis les tanks. Ça, vous avez déjà vu. Donc 32 sauts, bon, ça va assez vite. Je suis déjà à la moitié du deuxième. 11, 12, 13, 14, 15 et 16 dans le deuxième. Bon, par contre, j'ai la planche là qui prend feu. Va falloir que je change ça. Oui, parce que simplement le comment? Le j'ai eu un problème, un bug de lave et le comment le et puis la lave a embarqué le levier. J'ai pas eu l'occasion de le remplacer. J'avais du bois sur moi. J'ai refait simplement voilà, j'ai fait simplement une plaque de pression pour de temps en temps, bah, mettre un petit peu AFK ici, mais pas longtemps, et puis, bah, voilà, je récupère, je remplis mon tank avec la fameuse pompe. C'est un simple Stirling Engine, ça suffit largement pour alimenter la pompe. Donc voilà. Tout va bien. Bon, et donc ah, je me tenterais bien quand même. Ah ouais, mais non, les morts. Voilà, bon, allez, puis là, je me tire. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque part un donjon. On va bien voir, hein. Je sais plus si j'étais avec vous quand j'ai tué une cave spider. Je l'ai trouvé dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a des arbres à cave spider. Et j'en ai tué une, et l'avantage, c'est que je fais qu'un bloc de haut et je peux comme ça escalader des falaises. Plus comment? J'ai l'impression qu'elle se déplace assez vite. Mais à mon avis, c'est juste une impression parce que je suis plus près du sol. Mais sinon. Je sais pas ce que c'est que ce truc. La vache là, sacrée étendue. Bon, on va voir si on trouve une forteresse pour la Netherwart. Il va nous en falloir dans tous les cas. Dommage qu'on ait pas de mode pour en faire d'une quelconque manière. Ou alors, peut-être trouver. Je sais pas si on a un truc genre Better Dungeons dans les mods. Je pense pas. Oh. Est-ce qu'on a un truc genre Better? Dans le jeune, on n'a pas. Ça valait le coup de vérifier, mais bon. Better Dungeon, c'est vrai que c'était un mode vraiment pas mal. J'avais essayé un petit peu, mais il y avait des donjons, ils étaient vraiment hard. C'est quoi cette créature? Espèce de cochon.
Si ça se voit en peaceful, c'est que ça doit être pacifique. Ouais. Attention aux chutes. Bon, j'ai pas du tout noté les coordonnées du portail. C'est peut-être une erreur de ma part. Au pire, oh, je les ai certainement dans une vidéo. Non, bon, ben, pas de forteresse par là déjà. On va rebrousser chemin. Donc désolé de la perte de temps sur ce coup-là. Ouais, je suis en peaceful, donc pas de problème de nourriture. Pas monter par là certainement. Voilà, c'est vraiment l'araignée, elle est vraiment stylée pour ça. C'est vraiment voilà quoi, les parois, c'est plus un problème quoi. Alors, ça doit être là-haut. Ouais, il y a la tour de cobble, c'est bon, je sais où je suis. Je sais que normalement je peux activer Raise Minimap, mais faut vraiment que je me penche sur le binding de mes touches parce que... Là-bas, non? J'ai un doute. Je sais plus où est mon portail, mais bon, je vais finir par le retrouver. Pas bien compliqué, il doit pas être loin. En toute logique. Le bloc de cobble que j'avais vu, il est où? Enfin le... Il y avait un pilier de cobble, j'en ai parlé à l'instant. Il est passé où? Il est dans les environs là-bas, mais... Bon, bah écoutez, ma petite coupure le temps de... Et puis on se retrouvera de toute façon pour faire le filler certainement. Pas bien compliqué à faire, j'ai vu qu'il nous fallait juste un petit peu de comment ça s'appelle, d'encre. Bon, c'est tout quoi. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Je suis paumé. Et je suppose que si j'appuie sur M, je vais tomber sur... Ah bah il est là-bas. C'est bon, je l'ai. Oui, si j'appuie sur M, je tombe... Ah non, je tombe pas sur le... C'est quoi ça? Et donc je vois pas de donjon ici. Je sais pas ce que c'est que ces curseurs là. J'ai jamais posé de map et puis... 14.05, ça a l'air d'être une date en plus. Bizarre, je me souviens pas avoir posé de waypoint, mais bon. Allez. Et tant qu'on y est. Trop tard. Ouais, trop tard. J'ai pas pu me retransformer. Hop.
Et donc là, je peux... Ouais, je mets ça comme ça. Hop. Un coup de clé. Et c'est reparti. Hop. Ça. Je crois pas que je vais devoir encore reposer un barrel. Va vraiment falloir que je m'en serve dans le scrap. Bon. Filaire. Un épisode filaire, comme dirait l'autre. Hop, 64. Un barrel de plus. Et bah quand on les déchargera là-dedans, on sera content. Ok, l'iron tu vas le mettre avec le reste. Je viens de le prendre l'iron, il est là. Il n'y en a pas plus que ça l'iron? Non. Du copper, ouais, éventuellement. Est-ce que pareil si... Oh, je sais pas ce qui est le mieux entre pulvériser et faire fondre. Pas sûr que le pulvérise... Qu'on gagne du temps en fait. Allez, 22 de plus. On va peut-être pouvoir se faire quand même notre engine. Alors, fileur. Pour un fileur, il me faut déjà deux sacs d'encre que je ne dois pas avoir. Apparemment, non. Donc, des poulpes. J'en ai. Je vais aller m'occuper de leur cas. Ok, c'est... C'est sombre. Allez, si tu pouvais m'en donner deux, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ok. Ah oui, je peux... Ah, est-ce que si je me transforme en poulpe... Oui. Ah oui, aisance aquatique et respiration infinie. Ah, c'est excellent les poulpes. Ça par contre. Ça par contre, c'est pas de l'eau ça. Ah bah c'est bon, j'ai deux sacs, je suis pas obligé de. Mais bon. Oulé. D'accord, ça c'est le. Ouais, non, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de sympa ici? Ouais, bon. Allez, on va remonter. Putain, c'est cool quoi. Je vais assez vite en plus. D'accord, et là par contre je me noie sur le sol. Ok, nickel. Oh bah c'est parfait ce truc. Ok, ces engines-là ils sont vides. Alors, filler, donc filler. Filler, filler. Fileur, il va me falloir également de la dandelion et des goldir. Les goldir, il faut
que je parte. Ah, il faut que je parte d'Irongir. D'accord, ok. Bon. Et bon, on va se refaire des sticks. Je dois voir ce qu'il faut pour en faire un max. Bah, j'ai ce qu'il faut. Des gires, je vais m'en faire tout un stack là, hein, parce que ça m'est toujours utile. Donc hop, wack, hop. Non, pas ça, comme ça sera mieux. Ok. Voilà déjà ça. Ok, alors ensuite on va se faire. Bien sûr, j'ai plus de stone sur moi. Alors, de la stone. Hop. Avec. Ils sont où? Ils sont pas là-bas quand même. Je les ai fait où? Ah si, ils sont restés là. Ok. Tout va bien. On va s'en faire encore 16. Oh, c'est bien 16. Allez, hop. De l'iron, ça tombe bien. On en a eu une belle fournée. Pareil, on va s'en faire pas mal. Parce qu'après, pour les moteurs, c'est toujours ça, c'est toujours plus intéressant. Ah, dommage, je m'aurais fait une 9. Enfin, je peux en faire combien? Ouais, de toute façon, hop, il va m'en falloir 2. L'iron, je l'ai pas ici, je l'ai là. Aïe, je vais pas avoir assez d'iron. Il va m'en manquer 3. Bah, non, d'or. Et non, toi, tu restes là. Il va me manquer. Un d'or, enfin 3 d'or. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Iron, aluminium. Non, apparemment non. Bon, on peut déjà déposer à la limite ce qu'il nous faut pour le filaire. Alors il nous faut ça, ça. Il va nous falloir également la machine frame. Donc la machine frame, c'est pas bien compliqué. Ah ouais, il va nous falloir également de l'or pour ça. Enfin non, l'or c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Alors j'ai ce qu'il faut, un peu de fer. Vous voyez que le fer, ça part très très vite. Je suis désolé si vous entendez la musique derrière, je vais aller fermer ma porte. Et c'est bon. Et là, on a plus ce qu'il nous faut. Donc on va se faire quand même au moins 2. Et puis. Hop, attendez, je vais fermer la fenêtre. La fenêtre, la porte. Voilà. Parce que j'ai pas envie de me faire flaguer pour de droit d'auteur en plus. Ah d'accord, puis j'ai mon choc avec moi. Je l'avais pas vu. Ah oui, puis il va me falloir aussi des pistons, tiens. Tant que j'y suis. Iron. 2. 2. Pile poil. Nickel. De la stone kinesis. Ouais, de toute façon, ouais, on s'en fout. Enfin, ici, il va m'en falloir quand même. Et donc un piston. Piston, pas compliqué. Hop,
la houle, on va la virer. Un piston, donc ici. Enfin, deux pistons, résultat. De la cobble. C'est du fer au milieu. Il va juste me manquer un petit peu de redstone. Quel bordel dans cet inventaire. Ok. Ça, c'est cool. Voilà, je reprendrai ce qu'il me faut plus tard. La machine frame, je m'en fiche. C'est ça qu'il me faut. Donc, vu que c'est ça qu'il me faut. On va le laisser se vider, ce truc-là. Et toi, il me faudrait ma pioche. Je vais chercher ma pioche rapidement. Ouais, je fais beaucoup d'aller-retour, hein. Ce sera mieux quand on pourra, quand on aura assez de ressources pour se lancer dans la pléiade Energy Sticks. Et comme ça, pouvoir abuser sur les ressources. Alors, que je dise pas de bêtises. Si lui, je le vire. Que je récupère ça. Que je le dépose. Donc ça, c'est la wooden. Si la wooden, je la dépose ici. Ici comme ceci. Je pourrais pas. Bon, de toute façon, ceux-là, ils sont destinés à dégager. Allez, hop, on va récupérer tout. Hop, faire place nette. Et puis, on va simplement faire... Donc, ça, c'est de la wooden. Donc, ici et ici. Ça et ça. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il va nous falloir des stones. Les stones. Ici. C'est nickel, j'en ai pile poil le nombre qu'il me faut. Ensuite, il va me falloir... Oh ben, ouais, en fait, j'aurais même pas besoin... En fait, j'aurais même pas besoin de le déplacer. Mauvais calcul de ma part. Alors, il va me falloir un peu de redstone que je n'ai plus sur moi. De la redstone, du... Alors que je dise pas de bêtises, non. Je vais essayer également un redstone engine, mais vraiment pas assez puissant. Je m'en étais servi pour essayer d'alimenter mon boiler, mon sludge boiler, mais vraiment pas efficace. C'était vraiment pas trop long, donc j'ai préféré. J'ai essayé avec un stirling engine, et le stirling engine a pété. Donc je me suis dit, bon, eh ben on va passer sur un lavage générateur, et puis voilà pourquoi il y a un lavage générateur à côté de mon sludge boiler. Alors, qu'est-ce que je cherchais? C'était la redstone. Il me semblait que j'en avais mis. C'est normal, elle est là-dedans. Non, là-dedans. Là, gagné. On va rester ici. Et résultat, j'ai dit que je ne sais plus. Oui, donc il va me falloir de la redstone comme ceci. Il va me falloir du lead. Et le verre doit être au-dessus. Devait être au-dessus. Il doit être resté sur cette table de craft ici. Gagné. Si je me souviens bien, c'est du verre au milieu et de l'ingot autour. Et ça nous donne 6
Redstone énergie. Conduite. À quoi ils vont nous servir? Eh bien, simplement à alimenter les autres gaillards. Une fois que j'aurai remis un levier là où il faut, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là. Eh ben, il se charge! Eh ben, on a assez d'énergie! Bon, par contre, ici. Ouais. C'est un peu l'horreur. Il se remplit pas du tout, quoi. Il galère à se remplir. Hein. Il n'y arrive même pas, quoi. Donc, hop. Ça se vide. Et ça ici. Ça ira beaucoup mieux quand on aura un tesseract. Parce que pour lui, impossible de se remplir. Lui, par contre, il se remplit bien. Le... Ouais. Ouais. Ça y est, il a déjà rempli le... Est-ce que j'ai des stuns? Non. Il va... Ça va falloir que je trouve une solution aussi parce que... Commence à être trop... Hop, ça. Voilà, je vais vider un max, hein. On va essayer. Pareil, il est vidé. Non, il est full, lui. Hop. Ok. Bon. Ça, je vais prendre. Ça aussi. Charcoal, tiens, quand j'y suis. Hop. Tiens, balance ça. Alors, ici, il y a des trucs. De toute façon, que je garde tel quel. Ça va faire fondre. Ok, je sais pas pourquoi j'ai dû faire teaser ici alors que ça a rien à foutre là. Et le reste, on va commencer par quoi? On va commencer par le tin, c'est ce qu'on a le plus. D'ailleurs, il va en falloir plusieurs tournées. Lui, ça se tient. Ça, ça va. Et je depuis tout à l'heure que je dis qu'il me faut un filler. Donc de la dent de Léon, j'en ai là. Par chance. De la dent de Lyon. J'ai du mal à le dire dans dent de Lyon. Dent de Lyon, ouais, je sais pas. Je sais même pas si on doit le dire avec l'accent anglais ou pas, donc on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est pour ça qu'il nous rendra plus intelligents, hein. Comme dirait Ribéry. Bon, enfin bref. Filler, filler, non. Filler. Ok, déjà là j'ai tout faux. Je l'ai balancé où le colorant? Ah, il est là. C'est bon. Ok. La machine frame, je l'ai. Il va me manquer de l'or en fait. C'est tout ce qui va me manquer. Hein. Attendez, que je dise pas de bêtises. Par contre, il y a quoi en haut? Ah oui, il me faut également un land de. Un land machin. Alors les lands machin, je sais que j'ai oublié de les récupérer quand j'ai posé ma dernière query. Ce qui fait qu'il faut que je refasse.
Mais il doit m'en rester une quelque part. Non, pas ici. Il m'en reste une quelque part. Si je l'ai remonté de d'en bas. Bah, il me semblait bien. Bon, pas grave, on peut s'en refaire. Hein. C'est pas perdu. Voilà, alors pour faire des landscapes, c'est pas compliqué. Red torche, et puis la pilazulie. Voilà, pas bien compliqué. Et puis il va nous falloir donc le transmission coil et le deuxième. Voilà. 54. On va mettre le reste. On va faire couler un premier bloc. Hop, pour le délire. Vachement efficace quand même. Ouais. Donc le fertiliseur a le même effet que les eaux de. Donc le fertiliseur, si vous savez pas en faire. J'en fais à partir de ma cuillerie. Hein, comment il faut. Donc pour en avoir. Voilà. Il faut du nitre ou de la. Voilà, du salpelter. Donc ça j'en avais tout un coffre. Du sand et de la dirt. Et puis ça fait simplement du fertiliseur, hein, tout ce qui est plus normal. Et puis ça marche du tonnerre. Donc voilà. Je vais me faire quelques blocs de. C'est quoi? C'est du tin, hein, que je suis en train de faire. Je sais pas à quoi je peux me servir le tin, mais j'en ai en grande quantité quand j'en aurai besoin. Tin. Tin ingot. À quoi peut-il servir? Attends, c'était quoi ça? Du bronze, ouais. Attends, j'ai pas bien compris là. Ah d'accord, oui, avec du copper, ouais d'accord, ok. Ouais, les tin plates, ok. Ouais, ah, pour les electrical engines. Ah ça peut être intéressant. Ouais, enfin c'est du forestry, mais est-ce que je peux m'en servir pour alimenter quelque chose? À voir. À voir. Bon, ça je le sais, ça je le sais. Ok. Bon, non, en fait, il sert pas à grand-chose, quoi. À voir si on peut en faire quelque chose, mais non, je pense pas. Les plates, par contre, les tin plates, à quoi elles peuvent servir elles? D'accord, à faire des colonnes sail. Ok. C'est dans quoi ça? C'est dans le macérateur? Ouais. Pas plus intéressant que ça en fait le tin. Je sais même pas pourquoi j'utilise des ressources à ça en fait. Bon, quand on en aura besoin, on en aura. Comme ça au moins on n'aura pas à se plaindre.
Voilà. Bon ben, j'espère que ma cuillerée entre deux, elle va nous récupérer de l'or et du ferrousse. C'est tout ce qui me manque, hein, c'est de l'or et du ferrousse pour pouvoir progresser. Donc, eh ben, je vais certainement couper jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Mais en tout cas, on aura vu donc les engines pour alimenter la cuillerée. Ça va méga vite comme ça. Elle avance bien, hein? Ah, elle fait encore des petites pauses. Bon. Pourquoi pas. Oups, attendez, un instant. Je viens de voir que ma batterie est faible et j'ai oublié de simplement brancher le chargeur. Aussi bête que ça. Il est où le chargeur? D'accord, en plus il était sur le secteur, il était juste pas raccordé au PC. Bon. Hop, voilà, tout de suite mieux. En plus mon écran s'éclaire un peu plus. Vous n'avez pas dû voir la différence. Mais bon. Moi, je la vois. Ah bah, ok, c'était le dernier bloc en plus. Va se bloquer à 7. Bon bah. Où est-ce que j'ai le temps de faire fondre le copper? Je sais pas si le tin et le copper en fait font quelque chose. Normalement non. Allez, hop. Le mettre à fondre le temps qu'on fait couler le reste, et même s'il y en a un peu qui réagit, c'est pas grand chose. Copper, peut-être que des tanks ça serait encore intéressant d'en faire, mais il me faudrait de l'invar. L'invar se fait avec du fer et du ferrousse, et j'ai pas de ferrousse. Donc à faire régler normalement l'invar. Dust, ferrous. Ouais, dust, ferrous. Et sinon, la blend. Iron. Iron et ferrous. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc c'est uniquement du ferrous et de l'iron. Là, j'ai peut-être fait le con. Non. Ouais, ça m'a fait du bronze. Bon, bah c'est tout. Ça réagit un petit peu ensemble, c'est trop fort. Le tin et le copper, ça réagit ensemble. Bon, bah c'est bon à savoir. Je sais pas à quoi le bronze peut nous servir. Bronze. Du bronze. À faire des minecarts. Ah! Ouais, bon. Les minecarts, on peut s'en refaire pour en refaire du fer, en fait. C'est ça le truc. Mais ouais, une axe en. Enfin, une pioche en. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est un rolling machine en plus, on en a pas. Un carpenter. Pour forestry. Ouais. Bon. Tiens, hop. Ah oui, pareil. J'ai mis de l'humus en dessous pour que ça pousse un peu plus vite. L'humus, bah pareil, c'est avec de la dirt que ça se fait. Et puis bah, du fertiliseur simplement. Donc vu que j'avais du fertiliseur, voilà, j'ai fait cette recette-là d'humus. Que de la terre j'en avais à plus savoir quoi en foutre pendant un temps donc voilà. Merde, je crois que j'ai fait le con. Ou non, c'est bon. Ok, et l'iron. Il restera l'alu également. Voilà, ça c'est ce que je fais de temps en temps. Les Stirling Engines pourront toujours servir. Pour le moment, je vais les mettre, je sais pas où. Je vais les mettre là. Ils sont très bien là.
Non, le OAC, non. Le rubber, on verra ce qu'on en fait parce que là, ça commence à faire beaucoup de rubber finalement. J'aurais pas forcément l'utilité de tout. Donc on verra bien. Au niveau scrap, qu'est-ce que ça donne? Ça remonte. Ça diminue. Ça aussi, ça augmente. Ok, hop. C'est dingue ce que ça descend. J'ai regardé pour upgrader éventuellement les portable tanks, mais le niveau supérieur il devient vraiment trop cher. Je sais plus ce qu'il faut, mais je me suis dit c'est pas pour maintenant. Donc les tanks. Donc actuellement on a le Hardened et le Run First Aid. Voilà, c'est avec de l'Hardened Glass. Et l'Hardened Glass, il nous faut de l'obsidienne. Je compte sur ma curie pour me ramener de l'obsidienne. Quand elle sera dans les couches de la... Fin... Voilà quoi. Mais sinon, vous voyez, ça, wow, ça balance... Ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du nain dans l'espace. J'ai repris les deux, non j'en ai repris qu'un. Ouais bon on a le temps de faire un trajet et puis quand on verra. Ben on va se refaire des. On a du copper, il va nous manquer de l'invar cependant. Non, de l'invar j'en ai. On peut au moins s'en faire un. On va quand même s'en faire deux. Un d'appoint en fait. La glace elle est là. Ça hop tiens. Moi, on va se faire. Il me semble que c'est comme ça. Voilà, deux tanks et un qu'on va upgrader avec de l'invar. Bon, ça nous fait qu'on en aura un à 8. C'est à 4 sauts ou 8 sauts lui? Le chief, 8 sauts, un 8 sauts, un 16 sauts. Bon. Ça nous en fera toujours plus. Ah, ce qui fait que j'en ai deux de 16 sauts encore à remplir et un 16 sauts. Ok, d'accord. Allez, hop, Nether. Chicken. Where's that? Pareil, éventuellement un petit robinet, un truc pour empoter, ce serait pas mal aussi, mais bon. Allez, hop. Transformation humain. Et le seau, ouais, si, j'ai le seau. Un seul me suffira. Oh, c'est pas vrai. Non mais j'ai pas besoin des autres, c'est ça le problème. Pour moi je les mets là. Bon voilà, bon bah. Je rempote. Mieux que ça, voilà.
Ok. Allez, on va hop, hop, et hop. Lui. Ouais, il a encore. Allez, c'est bon, il a encore 133. 133 sauts, c'est largement suffisant. Donc, voilà. Allez, retour au monde normal. Et puis bah, de toute façon, on va s'arrêter là. Et je vous reprendrai quand on aura le Ferrous, donc pour éventuellement commencer le Tesseract et le fer. Pourquoi tu reçois plus d'énergie, toi? Lui, il reçoit plus d'énergie. Pour qui? Pourquoi? Est-ce que si je coupe les deux autres, tu repars? Ouais, tu repars. Bon. Les autres sont déjà vides. Bon. Hop. Ouais. Alors, hop. Et le 9. Hop, lui il est déjà vide. Comme ça, hop, ça c'est fait. Ok, bon bah là il a de quoi fonctionner un bon bout de temps, mais je pense qu'il va falloir plusieurs engines. En fait, je pense même pas. On va changer un petit peu la configuration. Tant pis pour la lave que je perds. Hop, on va faire ça et on va mettre le ici ou ici. Allez, ici, c'est bien ici. Ok. Oh non, pas là. Voilà. Et là, les trois sont partis. Bon. Voilà, et ben c'est nickel, comme ça. Ça c'est sympa. Ok, je peux pas plus en fait. Hop. Et ben j'en vois le bout du dernier barrel. Mine de rien. De ça. Bon, sinon ça me rapporte quand même pas mal d'iron hein, le faut dire ce qui est. Hop. Si je peux me faire un quatrième, oh, je suis pas sûr qu'un quatrième soit nécessaire de. Bon, ça pompe déjà assez en énergie. Là, il galère à se charger quand même. Est-ce que, question con, si je l'arrête? Est-ce qu'il va se charger? Ouais. Bon, on va les mettre en pause.
le temps que personnellement ils se chargent. Et dès qu'ils seront chargés, ben on enverra la sauce. Simplement. Comme ça au moins lui, il pourra charger également. Bon bah écoutez, bah sur ce, bah, je vous laisse. Et puis bah, je vous retrouve quand on aura les ressources nécessaires pour continuer. Donc et ben prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ah, ça descend pas mal. Oh, quoique. Allez.